Bonsoir la ville de New York, c'est Mink Nakakino Léonie, judokate. Je suis navrée de pas pouvoir être avec vous ce soir. Tout d'abord, j'aimerais remercier la ville de New York pour encore une année de suite me remettre une récompense. Ça me fait énormément de plaisir. Je trouve que ça permet de mettre en avant les sportifs de haut niveau de la ville de New York. Donc, si ce soir on me remet cette récompense, c'est pour mon titre de championne d'Europe au mois de juin et mon titre de championne du monde par équipe au mois d'août. Donc pour vous parler un peu plus de moi, j'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans. Après, je suis rentrée en section sportive au collège à Fontaine. Et ensuite, je suis rentrée au pôle espoir de Poitiers pour mon année de 3e à la seconde, où j'ai fait 2 ans. Et là, au mois de septembre, je viens tout juste de faire mon entrée au pôle France de Bordeaux. Donc c'est un rythme un peu plus élevé et intense qu'à Poitiers. C'est 2 entraînements par jour tous les jours. Je vais vous parler de mon titre de championne d'Europe et titre de championne du monde par équipe qui me tiennent énormément à cœur. Donc mon titre de championne d'Europe, ça se déroule au mois de juin. Une compétition qui se déroule plutôt bien pour moi, où je finis avec la médaille d'or. Donc ça m'a fait énormément plaisir. Sur le coup, je ne réalise pas du tout, mais après ça a commencé à venir. Et pour mon titre de championne du monde par équipe, là c'est une compétition, les championnats du monde qui sont un peu plus compliqués à gérer pour moi, car ma compétition individuelle, je ne la réussis pas. Je perds au premier tour et heureusement que la compétition par équipe était là pour rattraper le dimanche, donc où on fait champion du monde par équipe. En demi-finale, déjà l'ambiance était présente où on gagne le Japon. Une grosse épreuve de surmontée pour nous. Et on finit avec un superbe titre de champion du monde par équipe. Je vous remercie de m'avoir écouté ce soir et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir!